Oh my God, please help me, knee deep in the river trying to get clean. He says, wash your hands, get out the stains, but you best believe, boy, there's hell to pay. Yeah, you best believe, boy, there's hell to pay. Saying, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la série des jeunes talents japonais de demain, un podcast qui vous est proposé par nipponGambare.com et qui vous présentera chaque semaine une valeur montante du football japonais à suivre de très près. Je suis en compagnie de Manu, rédacteur et auteur des dossiers Les Espoirs de la G-League. Salut Manu. Salut Nabil, salut à tous. Alors quel joueur vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui on parle du numéro 10 de Domi Ardija, Keigo Higashi. 21 ans et puis un grand espoir, peut-être pour l'équipe nationale et en tout cas en G-League pour le moment. D'accord, peux-tu nous présenter ses principales qualités ? On est sur un joueur qui a été qui a des qualités à la fois de numéro 10 et à la fois de joueur de couloir. C'est d'abord la vitesse d'exécution, hein, que ce soit dans le dribble ou dans la passe. Bonne vision du jeu, même si c'est pas sa principale qualité, mais on reste vraiment sur un joueur assez rapide, capable, qui a l'explosivité pour partir rapidement en contre, et qui est vraiment a les qualités pour jouer à plusieurs postes. Certaines polyvalences, vitesse, explosivité, c'est vraiment ça dont il faut parler concernant Higashi. C'est un titulaire indiscutable, il me semble, en équipe espoir, hein, c'est ça ? Ouais, indiscutable, hein. Et pourtant c'est pas vraiment le nom le plus clinquant qu'on retrouve du côté des espoirs. Il s'est imposé petit à petit, il a souvent été utilisé dans le couloir droit, et puis au fur et à mesure c'est Kizuka lui a fait confiance et maintenant il briguera une place de titulaire pour les JO de Londres a priori. D'accord, très bien, donc tu as parlé de ses qualités, mais quels sont les défauts qui lui restent à corriger du coup ? Il y a un défaut qui n'en est pas un, c'est que c'est un joueur qui est assez égoïste, sur le terrain en tout cas, souvent on le voit, hein, et encore il commence à le corriger en ce moment, mais en même temps ça fait du bien d'avoir ce genre de joueur égoïste en équipe nationale, qui parfois tente la frappe au lieu de faire la dernière passe devant le but vide alors que le gardien est parti aux fraises. Donc voilà, un certain égoïste. Pendant un moment c'était un joueur qui était assez nonchalant sur le terrain, c'est-à-dire que pas forcément le repli défensif, pas forcément les efforts pour le repli défensif et puis pour essayer de contrer les offensives adverses. Mais maintenant là aussi ça change parce que bon il a comme coach le Guy Lacombe japonais, hein, Yun Suzuki, qui je pense a des défauts cet entraîneur, mais lui a au moins appris pas mal de rigueur défensive et puis lui a appris à faire les efforts au bon moment. D'accord, alors en équipe nationale, on rappelle que le milieu de terrain titulaire normalement c'est Keisuke Honda, Shinji Kagawa et Shinji Okazaki, donc c'est aux dernières nouvelles. Est-ce que tu penses que Keigo Higashi pourrait réussir à avoir sa place au milieu de terrain chez les A? Chez les A, déjà quand on regarde, il n'y a pas tant de passerelles que ça entre les espoirs et entre l'équipe A, hein, nationale. Je pense qu'il a un profil être assez atypique, hein. C'est vraiment un des seuls milieux offensifs qu'on a qui a cette explosivité, qui est plus un joueur rapide et de percussion qu'un joueur qui a une très bonne vision du jeu et une bonne qualité de passe. Il a un profil assez atypique, ça peut lui servir. Je pense que dans l'immédiat, évidemment, il va continuer à progresser avec les espoirs, mais c'est clair que bon. Quand on compare avec un Kagawa, il n'y a absolument pas photo. Kagawa a des qualités que Higashi a, et Higashi
n'a pas toutes les qualités de Kagawa. Donc pour le moment, on n'y est pas. Après, la marge de progression est très importante, donc il faut voir. Donc ça passera aussi par ses prestations en club, je pense aussi avec l'Omi Ardija d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ses prestations avec son club? Bah, c'est un joueur qui a eu au début, donc déjà il est débarqué d'Oita Trinita, hein, il nous avait fait une bonne saison en deuxième division avec Oita, si je dis pas de bêtises. Et puis également une première saison en G-League, il me semble, toujours avec Oita, où il avait quand même cumulé une bonne vingtaine de matchs pour ses premières apparitions en G-League. Avec Omiya, ça a été croissant en fait. Il a eu des difficultés au démarrage de la saison, et puis Yun Suzuki préférait aligner quelques vétérans qui marquent pas à sa place. Quelques petits problèmes avec le coach qui ont un peu freiné sa progression, mais après il est rentré dans la saison vraiment sans problème, et alors là ça a été de très 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 beaux matchs, hein. C'était vraiment le créateur de cette équipe d'Omiya, et je pense que si Omiya n'a pas connu de difficultés concernant une possible relégation, il y est vraiment pour quelque chose. C'est un élément clé alors, hein. Ah oui, c'est un élément clé de son équipe. Alors est-ce que certains clubs européens sont intéressés par le joueur? Bah, aux dernières nouvelles, je pense qu'on est sur un profil de joueur qui, à mon avis, va rester un certain temps en G-League avant d'envisager un départ à l'étranger. Tout simplement, ça se voit déjà dans ses choix de carrière, hein. Quand il termine sa deuxième saison à Oita Trinita, il aurait eu des opportunités pour signer ailleurs. Il va signer dans Omiya, un club où il est certain d'avoir du temps de jeu. Je pense que voilà, il a la tête sur les épaules. Et je le vois mal aller se brûler les ailes en partant directement dans un club européen. Et puis de toute façon, la question elle est réglée actuellement, puisque peu de clubs se sont positionnés sur lui. Allez, pour conclure, vous allez découvrir alors la cote de Manu pour Keigo Higashi. Donc 4 étoiles, tu attribues 4 étoiles à Keigo Higashi. Donc pourquoi 4 étoiles? Déjà, on va, c'est sur 5. Hein, tout simplement parce que dans cette génération, hein, je parle, parce que dans cette génération de milieux offensifs, pas dans les milieux offensifs qu'on trouve actuellement en équipe nationale, mais dans la génération 1990-1991, c'est un joueur qui a un profil atypique, qui a d'énormes qualités, très gros potentiel, vu ce qu'il montre avec les espoirs et vu sa trajectoire dans sa carrière qui est vraiment cohérente et très satisfaisante. Je pense qu'il va continuer sa progression calmement, et je le vois vraiment très très fort dans 2 ou 3 ans. Le temps qu'il confirme avec Omiya, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très très fort concernant Keigo Higashi. Donc un milieu de terrain à suivre de très près. Alors ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Manu pour tes analyses. Merci à toi. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter les dossiers Les Espoirs de la G-League mis en ligne sur nippon-gambare.com. Quant à nous, nous nous retrouverons toujours en compagnie de Manu. Dans 15 jours, on parlera cette fois-ci d'un duo de joueurs atypiques. Alors, bonne semaine à vous sur Nippon Gambare. Au revoir.